Vous commencez à me connaître. À chaque fois que j'ai un avion entre les mains, que ce soit sur Roblox ou sur Minecraft, ça finit en crash. C'est pour ça que j'ai décidé de me prendre en main. Je débute donc aujourd'hui une formation pour devenir pilote d'avion. Donc c'est parti. Je quitte donc ma salle de musculation afin de me rendre à l'aéroport le plus proche afin de devenir le plus grand pilote de tous les temps. Bon, je vous fais pas visiter ma petite chambre d'hôtel, c'est pas le plus important. Aujourd'hui ici, c'est ma petite salle pour coder. Bref, aujourd'hui, on part s'entraîner. Donc j'ai mon petit GPS avec moi qui m'indique l'endroit de l'aéroport. Donc c'est en face, là-bas, c'est par ici. Est-ce qu'on va essayer de trouver une petite vue? Ça doit être derrière ça. Bon, bah c'est parti, on va descendre. Ah, j'y crois pas, je vais enfin savoir comment piloter des avions. Alors on va prendre l'ascenseur, c'est parti, on descend. Et on se retrouve donc en bas. Je vais prendre mon bolide, on va se rendre là-bas. Et je compte vraiment sur cette formation que j'ai payée extrêmement cher pour vraiment réussir enfin, que ce soit sur Roblox ou sur Minecraft, à piloter les avions parce que c'est un véritable problème. Vous le voyez dans mes vidéos. Allez, je prends mon 4x4. Le GPS indique que c'est de ce côté-là, bien évidemment. Hop là. Hop, je grille les stops, il n'y a pas de problème. De toute façon, je suis un pilote d'avion, j'ai le droit à tout ce que je veux. C'est en face, c'est en face. On va couper par là. Oh putain, oh putain. Oula, 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 je crois que c'était une mauvaise idée. Quoique, ça passe, hein. Ça passe, tranquille. Non, ça passe pas, en fait. Non, je suis où, là? Oh, sortez-moi de là. Oh, merde, 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 merde. Oh, yo, 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 yo. Ah, je suis où? C'était une très mauvaise idée de venir dans la forêt, je crois. Pourquoi il y a un mouton ici? Ok, ok, bon, je suis complètement perdu dans la forêt. On va retourner sur la route, ça sera plus pratique. Bon, en tout cas, comme vous le voyez, j'ai pas besoin de cours de musculation. Tout va bien de ce côté-là pour moi. Allez, hop, on passe ça et on y va. Regardez, il y a un cerceau tout là-haut. Je me demande si on va pas devoir passer entre avec un avion. En tout cas, il est pas très large ce cerceau. Hein. C'est peut-être le niveau difficile celui-là de ma formation. Allez, c'est parti, en route. Il y a encore un arceau ici. Ça va pas être facile tout ça. Hein. Ok, on est bientôt arrivé. C'est exactement le même aéroport que pour ma formation de ninja où on avait été se rendre au Japon. Donc, allez, je me gare ici. Moi, il n'y a pas de problème. Encore une fois, je suis tout permis, je suis futur pilote d'avion. Alors, ok, j'ai perdu mon GPS, ils auraient pu me le laisser pour savoir où est-ce que j'allais pouvoir me diriger. Un training leçon numéro 1. Ok, 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 bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour monsieur le professeur, qu'est-ce que vous buvez? C'est pas très bon ça pour un pilote d'avion. Ok, donc comment ça marche? Est-ce que je peux me mettre là? Moi je me mets au premier rang, j'ai besoin d'apprendre aujourd'hui. Alors, c'est parti. Entraînement pour les pilotes, nom Red Kill 24. Dans les pages suivantes, vous allez devoir sélectionner la bonne réponse. Une fois fait, vous aurez, eh bien, le diplôme. Donc c'est parti. Combien d'heures de vol avons-t-on besoin pour devenir un pilote? Ah, aïe, 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 500, 1500, 2000 ou 1000 heures. J'en sais rien du tout, je vais mettre 1000, hein. Merde, putain, c'était 1500. C'était 1500, ok, ça commence très mal. Si je mets 1500, c'est bon. What? Pourquoi je veux... Pourquoi lui, il veut devenir pilote? C'est pas normal, ça. Lui, par contre, il a cru qu'il allait à la plage. Bon, c'est pas grave, j'ai encore toutes mes chances. Quels sont les termes les plus communs pour les pilotes? Putain, j'avais oublié qu'il fallait apprendre à parler anglais avant de devenir pilote. C'est vrai qu'ils parlent tous en anglais. Oh là, j'en sais rien, j'en sais rien. C'est sûrement pas ça. Pitch? Non, pas pitch. Buck and Dow? Non. Aboard and Adrift, c'est ça? Putain, c'est pas ça. Apparemment, c'était pitch and yaw. Si votre avion plonge du nez... Qu'est-ce que vous faites? Je saute, ça je crois pas que ce soit une bonne idée. Je pousse en avant, j'éteins les moteurs, ou je tire le volant. Ben, là c'est plutôt simple, je tire le volant, c'est sûr. That is right, yes! Une réponse sur 4, c'est parfait. Je sais pas si je serai accepté, mais bon, c'est déjà ça. Si vous vous crachez à la frontière entre les États-Unis et le Canada, qu'est-ce que vous faites des survivants? Ben, j'en envoie au Canada et j'en envoie aux USA. C'est bon, c'est ça? Ah putain, c'était pas ça. Est-ce que vous avez pas tout oublié, Red Kill 24, vous avez scoré 1 sur 4, donc 25%. Bon, bah, je crois que je suis pas accepté. On peut pas le refaire, s'il vous plaît? On peut pas le refaire? Non, je vais peut-être passer au test numéro 2, moi. Mais ouais, c'est bon! Il me laisse passer? C'est normal, ça? Je peux pas le repasser? C'est bon, je connais les réponses, maintenant. Allez, faites-moi repasser le test. Bon, ok, ils s'en foutent, mais très bien, je passe à la leçon numéro 2. J'aurais dû réviser avant. Là, c'est la leçon numéro 3. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça commence à être intéressant, c'est les leçons de pratique, ça. Quoique, peut-être qu'on va voir un truc ici. Pourquoi c'est vachement... Ouh, trop stylé. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, comment ça marche? Waouh! La leçon numéro 2, eh bien, c'est un simulateur de vol. On ne veut pas que vous utilisiez un avion directement pour pas le cracher et perdre des millions de dollars. Ok, je vais commencer avec des avions téléguidés. Bon, ok, ça me va. Ça me va très bien. C'est bien pour commencer. Je prends ça, je prends ça. Waouh, c'est trop stylé, c'est trop bien fait. C'est trop stylé. Alors là, j'ai le manuel. Est-ce que ça vaut le coup de le lire? Oh, franchement, flemme, hein. Vas-y, je le pose. Alors, comment ça marche? Go! Ah non, mais je vais peut-être le lire en fait parce que je sais pas du tout comment ça marche. Ok, je fais un clic droit dessus. C'est bon, il y a eu un truc rouge. Donc là, c'est bon, je suis connecté. Ok, je suis connecté. Clic droit. Ok, je démarre.
C'est parti. Je peux. Oh putain, j'y suis. Oh, c'est trop stylé. Comment je monte? Wow. Oh shit. Ça commence mal. Ça commence très mal. Ok, on repart. Oh non, il est endommagé. Merde. Ok, j'en prends un autre. Désolé, je vous en ai pété un, mais vous savez, c'est pas le premier que je pète. J'en ai pété des beaucoup plus chers. Ok, donc c'est bon. Je m'y remets. Hop, c'est parti, on décolle. Mais j'ai pas assez d'espace pour décoller. Non, j'en ai pété un deuxième. Ah, ok. Il faut utiliser les flèches comme ça pour le faire décoller. Très bien. Allez, c'est parti. Ok, je suis un peu à côté là. Mais ça va, je commence à comprendre. Wow, c'est super bien fait en tout cas. Oh putain, non. Oh, c'est le troisième que je pète, j'en peux plus. Putain, il en reste que trois. Hein. Si j'arrive pas avec ces trois-là, je serai vraiment dans la merde. Allez, s'il vous plaît. C'est le moment de réussir. Ok. Alors, est-ce qu'il faut que j'aille dans les bleus ou dans les jaunes? Oh, c'est trop dur à contrôler. Wow. Mais c'est incontrôlable. Non mais c'est hyper dur, c'est abusé. Bon, c'est le dernier, hein. J'ai plus le choix, là. Allez, j'ai vraiment plus le choix, là. Il faut y arriver. Allez. Non, mais c'est incontrôlable, je vous jure, c'est trop dur. Allez, deuxième chance. Wow. Eh merde, je l'ai encore pété. Allez, je me casse de là, je te laisse la télécommande. Salut, moi je passe à la suite, hein. C'est bon, j'ai réussi. Putain, je suis scandaleux, je comprends pourquoi j'ai du mal avec les avions. C'est un truc de ouf. Wow, ok. Bon bah c'est moi, je suis pilote. Je suis une fraude professionnelle. Je vais m'équiper donc des affaires de pilote. Aïe. C'est bon, on est prêt, on est chaud, on a réussi toutes les épreuves à 100% sans rien casser, donc c'est cool. Alors comment ça se passe par la suite? C'est en face? Est-ce que je vais avoir un vrai avion cette fois-ci? Non, parce que je suis plus à l'aise avec les gros engins plutôt que les tout petits trucs téléguidés. Oh, c'est là-bas! C'est ça que je dois prendre! Bonjour, monsieur le pilote! Ok, je... Ah non, c'est ça que... Non, je dois commencer avec ça, sérieux! C'est le moment de faire votre première leçon. Si tu arrives à faire la course en moins de 100 secondes, et que tu arrives donc à aller dans les 15 cerceaux, tu auras ton certificat de pilote. Ok, donc là, j'ai mon score à droite. J'ai 0 pour l'instant, totalement logique, mais c'est parti, donc j'ai 100 secondes. Alors, comment ça marche, celui-là? Oh, putain. Oh, ça a l'air mieux. Oh, ça a l'air moins bien. Oh, ça a l'air difficile. Je sais pas trop quoi en penser, là. Ok, c'est par là. C'est bon. Je commence. Ok. Là, ça va passer tranquille. Et hop là. Ah non, c'est pas mon score qui est à droite. Hein. C'est bien le temps que j'ai. J'ai 150 secondes, je crois. J'en ai passé un seul pour l'instant. Je passe le deuxième. C'est parfait. Le troisième. Ah, c'est beaucoup plus facile que le truc téléguidé. Je vous avais dit. Je vous avais dit que j'étais plus à l'aise avec des gros engins. Même si ce que j'ai là actuellement, c'est pas un truc de ouf. Mais bon. Ça viendra. Ok, on passe par là, c'est parfait. On continue. Et hop là. Ah ouais, ils me font aller sur la ville. Ils ont pas peur que je me crache sur la ville. Ok, pas de problème. Ok. Non, mais c'est clairement beaucoup plus simple que le truc téléguidé. Hein. Putain, je vais passer à côté de mon hôtel. Je vais passer à côté. Ok, ça on valide. Pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. Il me reste 105 secondes. Et hop là, ok, c'est par où maintenant? C'est par où? Ah, quelle belle ville, c'est incroyable. Ok, on est en direction de l'aéroport, de retour à l'aéroport, il me reste 75 secondes, mais franchement, tranquille. Ça sert à rien, les tests écrits, on s'en fout de savoir qu'il faut 1500 heures. Le tout, c'est que je me crache pas, et c'est bon, ça passe, donnez-moi mon certificat. Que je puisse reconduire sur Roblox, et même sur Minecraft. Oh putain, regardez l'avion qui m'attend après, ça va être magnifique. Hop, 98, plus que 2, je crois, 2, c'est ça. Et ensuite, la ligne d'arrivée, elle est là. Et j'ai genre 40 secondes d'avance à peu près. Ça va être bon. Franchement, c'est tranquille. Hop, on valide. Et attention, c'est bon, c'est validé. J'ai réussi. Quoi? Ils sont en train de me dire que j'ai pas réussi. Pourquoi j'ai pas réussi? J'ai tout fait. J'ai tout fait comme on m'a demandé. Ah ouais, vous voulez la jouer comme ça? Très bien. Dans ces cas-là, ça va être vraiment très simple. Moi, je vais aller dans celui-là. Voilà, parfait. Oh putain, je ne sais même pas comment on le démarre. Ah non, je peux pas, j'y arrive pas. Ah mais merde, c'était 100 secondes et non pas 150. Pourquoi j'ai confondu? Bon, c'est pas grave. Je prends celui-là, ça va être beaucoup plus rapide. Par contre, ça sera plus dur de passer dans les assauts, mais ça ira beaucoup plus vite. Aïe! Ah non, je suis passé à côté. Putain. Allez, tranquille, ça passe. Allez, on accélère. Ok. Wow, j'ai piqué du nez, c'est bon. J'ai bien appris mes leçons, vous avez vu. Bon, en même temps, c'est la seule réponse que j'ai eue correcte tout à l'heure. Merde, je suis encore passé à côté. Wow. Allez, ah putain. Bon, les gens commencent parce que j'étais pas bon là. J'étais déjà à 50 secondes, j'avais fait que 3 arceaux. Bon, allez, j'essaye avec le rose. Allez, c'est parti. On commence. Ok, tout se passe bien pour l'instant. Hop, on prend le virage.
Ça passe juste, hein. Ok, alors celui-là, on va y aller tranquille. Allez, allez, allez. C'est bon, ça passe. Let's go. On est dans les temps, là. On est bien, on est bien. Allez, allez. Yes. Okay. Tranquille, c'est bon, ça passe. Ok, on est au-dessus de la ville. Maintenant, faut pas se cracher, faut faire très attention, hein. Oh putain, j'arrive un peu vite. J'arrive un peu vite. C'est bon, j'ai géré. Oh putain, celui-là, il est chaud, hein. Faut y aller tranquille. Celui-là, faut y aller tranquille. Faut y aller très tranquille. C'est bon, c'est passé. On valide. Ok, on se met bien en face. Aucun habitant de cette ville ne devra subir un crash de ma part. Wow, c'est bon, c'est bon. Ok, je suis plutôt bien, 50 secondes encore. C'est bon, ça passe. Allez, maintenant, go à l'aéroport. Direction l'aéroport, il me reste à peine 40 secondes là. Hop là. C'est bon, c'est bon. Le pont. Il doit me rester 3 arceaux maintenant. On est plutôt bien, c'est cool. On valide. Allez, plus que 2 et 30 secondes. Wow. Oh, c'est bon, l'avant-dernier. Oh, j'ai failli me rater pour l'avant-dernier. Le dernier, il me reste 20 secondes. C'est parfait, le dernier, on le prend. Il est bas. Non, il me reste 20 secondes. Oh putain, ok, donc il me reste 20 secondes. Ça me laisse le temps quand même de prendre assez de largeur pour pouvoir bien revenir. Allez, faut pas le louper, hein. Faut pas le louper, ouais, bien. C'est bon, c'est parti, 87 secondes, j'ai réussi mon test. Pourquoi ça a pas lutté ici, c'est bon. Bien joué Red Kill 24, vous avez complété la formation pour devenir pilote. Yes, j'ai mon Certificate of Achievement. Oh, et j'ai le droit maintenant d'utiliser les autres avions. Merci beaucoup, monsieur le pilote. Et appelez-moi maintenant monsieur le pilote également. Oh là 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 là, depuis le temps que j'attendais cette formation. Ah non, je peux pas les conduire les autres. Merde, c'est dommage. Bon, je m'en fous, moi je me mets en créa, comme ça je prends celui que je veux. Tac, parfait. Là, je vais pouvoir le conduire, je pense. Ouh, allez, go. Ouais, c'est bon, je peux conduire. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça fait plaisir de pouvoir enfin être bon lorsque je pilote. Alors, on va tenter des petits trucs en ville si ça vous intéresse. Mais c'est bon, maintenant, quand je jouerai à Roblox ou sur Minecraft, eh bien, je serai bon, enfin. Je pourrai tranquillement piloter. Regardez, je fais des slaloms entre tous les bâtiments de ma ville. C'est trop facile, je l'ai fait même à l'envers. Oh putain. C'est bon, tout va bien. Allez, regardez où je passe. Hop là. Wouh. Ça, c'est pas donné à tout le monde d'être aussi bon que cela. Alors, il n'y a pas des petits challenges à se faire dans cette ville? Allez, est-ce que je passe là-dedans avec ce rafale? Oui, tranquille. Wouh, putain. Wouh, je perds le contrôle. Mais non. Wouh, merde. Oh, putain. Wouh. Bon, en tout cas, c'est cool. J'espère que la vidéo vous a plu. Je suis officiellement certifié pilote et... ça, c'est cool. Salut à tous, c'était Redkill. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles aventures. Sur ce, à la prochaine. Salut à tous, c'était Redkill. Bye.